Bienvenue sur BFM TV, nous sommes au cœur de l'actualité, tout de suite, les informations. Et ce matin, on est au cœur de l'actualité avec BFM TV, nous apprenons que Gérard, 21 ans, aurait écrasé plusieurs personnes avec son tracteur d'agriculteur sur la plage. Les policiers l'auraient poursuivi et l'auraient amené au commissariat le plus proche, des images de Anne Huss. Et aux États-Unis maintenant, un homme âgé d'une quarantaine d'années aurait pété un câble suite à une partie de Call of Duty. Il aurait pris une Kalachnikov et aurait tiré sur des véhicules blindés de la police. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais cela remet en cause les jeux vidéo et leurs conséquences. Et maintenant, sur les routes de Californie, un petit garçon âgé de 5 ans et demi aurait déposé du savon sur les routes, ce qui aurait provoqué plusieurs accidents dans la matinée. Et passons tout de suite à l'actualité sportive avec un jeune américain de 12 ans et demi qui aurait battu le record mondial de saut en chute libre. Seul problème, le petit garçon avait oublié de mettre son parachute. Les éboueurs en grève après la taxe des poubelles, ils auraient protesté contre cette taxe et auraient garé leurs camions de poubelles un peu partout dans les routes de France. Ce qui aurait occasionné des gênes sur les autoroutes A16, A14 et A32. Des images qui nous parviennent de Jean Caisse. Voilà, ce journal est terminé, nous passons tout de suite à la météo d'Evelyne Delia. Pour la météo de demain, il pleut dans le nord et aussi dans le sud, et sinon il y a un peu de soleil à l'est, voilà, salut, je me casse. Au revoir, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur BFM TV.